Je pense que c'est un choix extrêmement courageux qui a fait la Tunisie. La Tunisie, à travers sa constitution, à travers tout le travail qui a été fait préalable, parce que pour arriver à ce résultat, à cette décision, c'est aussi tout un travail de dialogue sur des choses qui ne sont pas simples, l'équilibre, la constitution, le poids de la religion, la cadenature pour un État qui se rapproche de ce que nous on appelle un État laïque. Cette question de la justice transitionnelle, pour moi, elle est majeure. Elle est majeure parce qu'on ne construit pas sur du sable. On ne construit pas sur un sentiment d'impunité ou sur faire l'autruche. Ça peut faire gagner du temps, mais à un moment, ça se paye. Ça se paye parce que les générations qui viennent, ceux qui auront 20 ans dans 10 ans, ceux qui auront 30 ans, qui n'auront peut-être pas connu ce que vous avez connu avant la Révolution, auront le sentiment qu'au fond, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, les conséquences sont nulles. C'est extrêmement grave. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est difficile à faire, parce que la confrontation des victimes et des bourreaux, c'est pas quelque chose de simple. Ça peut déboucher sur des tas de choses. Ça peut déboucher sur, dans le pire des cas, ça peut mettre en péril les équilibres institutionnels. On l'a vu au Cambodge, on en parlait tout à l'heure, où il y a un moment où on se demandait si l'exercice pouvait être poursuivi, parce qu'il y a une partie du gouvernement qui était quand même engagée dans son histoire et dans ce qu'elle avait pu faire dans le passé. Ça peut aussi déboucher sur des procès, on le sait bien. Nous, on a eu Nuremberg. C'est pas tous les Allemands qui ont payé pour les actes conduits par le régime nazi, mais ça a été ce qu'on a considéré être comme la partie la plus responsable, mais ça a été aussi un exercice de catharsis qui a permis ensuite à ceux qui avaient plus ou moins de liens avec le régime de pouvoir continuer à vivre. C'est aussi un exercice qui permet de continuer à vivre. Et puis dans le meilleur des cas, même si parfois les décisions de justice en fait, doivent être prononcées pour les cas les plus graves, la simple confrontation du bourreau et de la victime, les simples excuses sont de nature à réparer une partie du préjudice subi. Le préjudice moral, il ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Il s'efface jamais, d'ailleurs. Mais on peut se reconstruire, même à partir d'un énorme préjudice moral, on peut parler d'un préjudice physique, à partir de cette confrontation. Donc moi, je crois que ça a beaucoup de vertus. Je disais tout à l'heure, quand j'étais en Haïti, j'étais frappé par la difficulté d'amener ce sujet, où il y avait une préférence pour une espèce de tolérance. Mais la tolérance, en l'occurrence, c'est sans doute le pire ennemi pour construire des choses solides dans la durée. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Une fois encore, c'est courageux, c'est pas facile, parce que remuer la vase, ça fait plaisir à personne. On se prend toujours des éclaboussures, et il y aura toujours quelqu'un pour se sentir atteint dans sa dignité, dans son amour-propre, parce qu'on se dit, bah voilà, il y a prescription, on passe à autre chose. Non, on ne passe pas à autre chose. On peut passer à autre chose à condition d'avoir regardé aussi les choses en face. Donc je trouve qu'à un moment de transition démocratique, être dans ce processus, c'est courageux, j'utilise ce terme volontairement, parce que ça peut toujours avoir des conséquences. Ça peut diviser la société, ça peut la fracturer, mais ça peut aussi la ressouder de manière très, très puissante.